Religion, islam et le nom de Rachida Dati, la garde des Sceaux. En quelques mots, peints en pleine nuit sur ses tombes, les profanateurs s'en sont pris directement à la religion musulmane. Ils ont même pendu une tête de porc à l'une des sépultures. Des propos et des actes racistes qui choquent les représentants de la communauté musulmane. Première photo à bord du Ponant. On y voit des hommes armés. Ce sont les pirates somaliens, aux commandes du navire français dans l'océan Indien. Aucun touriste sur ce luxueux voilier, mais 30 membres d'équipage, dont 22 Français. Des otages de grande valeur. Le gouvernement, en état d'alerte, n'aurait aucun contact avec les pirates. Un parcours semé d'embûches. Un premier homme tente de s'emparer de la flamme. Puis un deuxième essaie de l'éteindre. J'ai essayé d'éteindre la flamme avec un extincteur parce que la Chine n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait en ce moment. Il y a 2 heures maintenant, la flamme tibétaine est arrivée à Paris en gare du Nord. Elle a traversé la Manche à bord de l'Eurostar et elle devance ainsi la flamme olympique qui est attendue demain. Dans un entretien accordé au journal Le Monde, la secrétaire d'État aux droits de l'homme évoque 3 points jugés indispensables pour que Nicolas Sarkozy assiste à la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin en août prochain. D'abord, la fin des violences contre la population au Tibet et la libération des prisonniers politiques. Ensuite, faire la lumière sur les événements tibétains. Enfin, l'ouverture du dialogue entre le Dalaï Lama et la Chine. Des points présentés comme des conditions dans le quotidien Le Monde, mais aussitôt démentis par Ramayad. Ce serait vraiment torpiller une éventuelle participation au dialogue que de poser des conditions. Il n'y a pas de conditions. Et d'ailleurs, Mme Ramayad a démenti ce mot. La flamme de la discorde arrivera ce soir à Paris pour un parcours demain ultra sécurisé. 3000 policiers mobilisés, des brigades fluviales, des hélicoptères. Un dispositif digne de celui d'un chef d'État en visite à Paris qui surprend et agace Reporters sans frontières. Que la préfecture de police ait imaginé, et seulement imaginez, le problème c'est qu'ils vont le faire, de mettre en place un dispositif ubuesque, invraisemblable, comme ça, on n'en a jamais vu à Paris. C'est évidemment donner raison aux autorités chinoises. On voit ici une chute extrêmement spectaculaire. Traversée d'un village, Gomez de l'équipe Saunier Duval qui heurte une sorte de bac à fleurs. Ouh. Regardez. Alors il a été évacué pour des examens, je ne connais pas l'état de ses blessures. Mais... Je sais pas si t'as vu le match ce week-end, suite au comportement des supporters du PSG, on a reçu un ordre de la direction, donc tu dois afficher ça en rayon et retirer tout ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Tant que les protagonistes ne seront pas punis, on ne remettra pas en vente les articles de l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc si un client vient vous voir demain en vous demandant « je veux un maillot du PSG ?» On lui dit qu'on n'en a plus. Il y a beaucoup de chômeurs dans le Nord, il faut être honnête, je veux dire, voilà, il n'y a rien de spécial. Il y a beaucoup de chômeurs, les pédophiles, alors, si on veut, on s'en gagne. Bon, c'est vrai que ça a été un peu trop loin là-dessus, mais voilà, il n'y a rien de méchant. Je dis n'importe quoi, je fais tout ce qu'on dit. Je dis n'importe quoi, très bon n'importe quoi. Vous êtes surpris? Vous aurez droit à nos sourires dans l'émission. Tricheur. Tricheur. As-tu un rituel avant de passer à l'antenne? Et lequel? Avant de passer à l'antenne, pour tout vous dire, je vais faire pipi et puis j'éteins mon portable, c'est tout. Les rennes adorent le goût salé de l'urine. Alors, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit à laquelle vous sortez faire pipi, vous êtes assuré d'avoir toujours de la compagnie. On rentre, fait testicule, et quand on l'a là, fait clavicule. Boum. Donc le mouvement, c'est ça. Attention, derrière. Allez, testicule, clavicule. Émission exceptionnelle ce soir pour fêter mes 20 ans d'antenne en compagnie de tous ceux que j'ai découverts ou produits, surtout mes enfants chéris. Mes enfants chéris. Joyeux anniversaire.